de Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. La famille, je suis fatigué, j'ai mes sinus, elles sont bouchées comme Adem. Je suis KO, on a fait nuit blanche, en plus on a pris l'avion. On a pris l'avion, Adem il a saigné d'Unes fragile. Là on est à Alanya, Antalya plus précisément. On a quitté Istanbul ce matin, flemme de filmer, c'est bon vous avez compris, l'avion, les bagages, flemme. Ah c'est écœurant, surtout que je suis hyper fatigué. Vous voyez il arrive pas à parler tellement il est fatigué les refs. On n'a pas dormi, ça veut dire on est encore en nuit blanche. En fait là, tout le mois du ramadan on n'a pas dormi, dites-vous juste ça. La tête d'homme sur une semaine, j'ai dormi 2 heures. Ouais. Bon du coup les refs, si ça se voit à nos têtes qu'on est un peu bourré, c'est normal. Eh dites-vous, j'ai les sinus bloqués, j'ai du sang ici, j'ai la diarrhée en même temps. Ah ouais, il voulait chier tout à l'heure, il était comme ça, allez, allez. Et du coup il a chié dans l'aéroport, et là il a chié à côté d'un resto. Bref. C'est ça frère, on mange du kangal. Voilà, on mange du kangourou. C'est trop grave, on sait même pas ce qu'on mange les refs. On fait des diarrhées intenses. Mais vas-y au calme, si tu connais, c'est le mal du pays. Des fois quand t'arrives et tout, tu fais des caca radioactifs. Vas-y, on a forcé. En tout cas les refs, dans ce vlog là. Pourquoi t'as la voix cassée? D'ailleurs ça je voulais vous le dire. Sauna, hammam, piscine, bah je suis malade. Voilà. Moi aussi. Toi aussi? Je suis pris du... Ouais, t'arrives pas à parler? Je suis désolé. Il est trop fatigué. Je suis pris du nez, de la gorge, je sais pas, du cul, je suis mort. De partout frère. Bon la famille, là, regardez, on a tous nos bagages ici les refs. Du coup on est sorti de l'avion, l'agence nous a gentiment accueillis. Du coup Adem, on est à la rue. On est des clochards. SDF, c'est mieux je pense. Bref, en tout cas, on n'a pas de maison les refs. Adem il a loué, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, la villa. J'ai loué une jeune villa frérot, vous êtes pas prêts. La villa, comment vous dire, je pense qu'elle est aberrante. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va manger. Toi arrête de rentrer sortir parce que je veux tartiner la tête, Kayla. Va t'asseoir. Depuis tout à l'heure fait que de bouger. Ça y est, là, on a fleur de peau quand on est fatigué. Adem, il est dépité. Bref, du coup, les refs, Adem, il a loué la villa pour 16 heures. Ça veut dire on est arrivé en Turquie. Enfin, hein, pas en Turquie. On est arrivé à Alanya à quelle heure, là, ce matin? On a pris l'avion à 7 heures. On est arrivé ici à 10 heures. Et depuis 10 heures, on attend, en fait. Voilà. Et là, les refs, il est 15 heures. En fait, depuis 15 heures, on attend là, à l'agence. Ouais, depuis 15 heures, ouais. Oh merde. Mais je sais plus parler, je suis fatigué là. Depuis hier, vous avez compris vous aussi frère. Ça y est, ils ont forcé Zama, ils voulaient savoir. Léa, vas-y, explique l'heure parce que je sais pas parler. Pourquoi à 16h on récupère quoi? Vas-y, explique l'heure. Parce qu'Adem il a eu la bonne idée, la merveilleuse idée de prendre une villa. Bila, je suis dégueulasse. Coupe la caméra. T'es super belle là. T'es dame, je la trouve super belle. Écœurant. Assumez-vous aussi les meufs frère. Vous êtes tout le temps moche, vous faites les meufs belles sur Insta. Et là, en réalité des choses, elles sont chouettes. La vérité, j'ai pas dormi de la nuit. Mais moi aussi, j'ai pas dormi. De la nuit, pourquoi je suis un peu frais, frère? Petit collier, petit bob, petit pull bleu. Bref, du coup, on a rendez-vous. Vas-y, elle veut pas montrer sa tête, vas-y, casse-toi. Du coup, les refs, on va chercher à 16h les clés parce qu'il y a que à 16h, le temps qu'ils rangent la villa, la piscine, on récupère les clés à 16h, on a un rendez-vous, on va y aller. Et après, on ira faire les courses, on sait pas ce qu'on va faire. À tout à l'heure. Bon, la famille, Leia, elle veut que. En fait, elle veut m'affronter, elle veut faire une jeune lutte contre moi. J'ai pas compris, mais c'est parti. Bon, personnellement, les refs, je mise sur Adem. Allez, c'est parti. Oh, c'est faible. Ça c'est la pure erreur de venir par le bas. Voilà. Cuisine. Bon, la famille, c'est à Kayla de se mesurer à Adem. Allez, c'est parti. Mais Kayla, la lutte, c'est pas des patates. Non. Wesh, il a du mal, il a du mal. Il a du mal. À la plus de farce que Léa. Kayla, c'est pas du tout. Wesh, il fait victimer, là, Adem. Wesh, wesh, t'as... Bah allez hop, va ranger ta chambre. C'est trop stylé wesh. Regardez. Vas-y refais-le, oui, refais-le jusqu'à là-bas. Ah, fout trop la haine. Bon la famille, juste pour vous prévenir de l'avancée, là c'est bon, ils ont pris une voiture, on a mis les valises dans la voiture, dans le coffre, et la direction, la villa, les refs. C'est pas un taxi en fait, c'est l'agence qui nous ramène, c'est bénef, let's go. Bon la famille, on est arrivé. Les femmes d'abord, les femmes d'abord encore. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la route, elle m'a secoué le cul. Eh, la famille, si vous verrez la route qu'on a fait pour arriver à la villa, on a traversé les montagnes et tout, voilà, c'est une dinguerie. Il y a des fils de chiens derrière, du coup, je vais couper la cam. Ça va, Kayla?
Ouais. Bon, du coup, la famille, regardez, on est arrivé dans une propriété, mais voilà, on dirait que c'est abandonné un peu. Adem, là, tu fais quoi? Je vais appeler le mec, enfin, je vais essayer de parler allemand, tu connais. Et tu l'appelles pourquoi? Bah, pour lui dire qu'on est là. J'avoue, là, y a personne, les refs, mais on sait pas si c'est là en fait. À cette heure-ci, c'est plus haut ou plus bas, je sais pas, c'est où, frère. Bon, la famille, on y retourne, on a fait fausse route, les gars. Ça fout la haine. Allez, on y retourne. Wow, 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 comment ça descend? Vous avez vu la vue ou pas sur les montagnes au fond? C'est vraiment aberrante. Bon, la famille, c'est carré, c'est ici. Il y a les bagages, mais bon, je sais pas, il les prend pas, le refrain. Faut aller voir d'abord. Si ça nous plaît pas, on se barre. On a un peu payé les refs, mais au calme. Let's go. Là, il y a... Wesh! Oh là 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 là! J'ai sorti les sous, les amis. Elle est méchante. Oh, les palmiers, tout ça, la piscine. Oh, on va nager. Tu sais quoi? Une fois qu'on a rentré les valises, on va attraper Kayla, on va la jeter. Oh là là, regardez-moi ce sanglier. Enfin, comment ça s'appelle ça déjà? C'est un palmier. C'est aloe vera, je crois. Les eaux de la palmière. Ferme ta grand-mère. Du coup, les refs, il y a un jardin derrière. Franchement, c'est El Jardin. C'est incroyable. Bon, on va enlever les chaussures, hein, par respect envers les femmes de ménage. C'est parti, les refs. On a l'entrée. Voilà, ça, c'est la méchante cuisine. Adèle, c'est là où il va se passer les plus grosses vidéos dégustation. Ici, dans cette cuisine, je peux te dire qu'on va faire de ces recettes du futur, frères et sœurs, restez à l'affût. Ça va être incroyable. Il y a un plan de travail en plus. Après les refs, voici le salon. Regardez le salon, il est beau gosse. Wesh, Adem, regarde, il y a qui? Adem, je crois, il y a moi là. Il y a un bouc, il a chopé un oiseau. Qui a chopé un oiseau? Non. Regardez la famille, wesh. Il a chopé un petit oiseau. C'est incroyable. Franchement, je pense qu'on va le manger au futur, Inch'Allah. Je rigole. Regardez les refs, là on a la petite terrasse qui donne sur la vue, elle est incroyable wesh. Regardez la vue, c'est une vraie villa. À ce qui paraît demain, enfin il fait 30 degrés Celsius. Du coup c'est incroyable, on va bien bronzer. Pourquoi t'as dit Celsius? Parce que c'est ça qu'on dit. Ouais mais t'as forcé mon ref. Du coup les refs, il y a un petit salon, ça l'a mangé ici. On pourra faire des futurus ici. Eh, c'est parti pour baptiser la maison les refs. Non arrête wesh, t'abuses. Oh regardez-moi cette jeune chambre frérot. C'est une chambre, voilà les sympatoches. Ok on monte les escaliers. Regardez il y a une cuisine en haut genre. Wesh. Wesh mais là t'es de où on prend cette chambre? Voilà c'est notre chambre. C'est notre chambre, télé, cuisine, là, ah, un lit frère on est tranquille. Salle de bain. Salle de bain. Oh là là, la petite douche. Mais Adem, on est trop bien, en plus on va pouvoir chier encore. Regardez les refs, c'est trop méchant, cuisine et tout. Terrasse. Et regarde-moi cette vue, c'est magnifique. La terrasse, les refs, c'est incroyable, regardez la vue. Oh la méchante vue sur les palmiers, tout ça. Et voilà, c'est incroyable. Oh les jeunes villas aberrantes là-bas. Oh regardez là-bas les villas de luxe, les refs, c'est un footballeur, il habite là-bas, c'est sûr. Kayla, c'est laquelle ta chambre, toi? Là. Ok. On est dans la chambre de princesse. Franchement, oh ça va. C'est vraiment atypique. T'aimes bien? Regarde la télé. Oh là là. Bon, là. Elle a la télé, mais elle a pas de cuisine. C'est dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tu vas manger en bas, toi. T'as... Oui. T'en as pas besoin. Oh là là, il est assis sur le trône. On est là, ma gueule. T'es sur le trône, mon ref. Tu connais. Respect. Là, il y a une chambre, elle est toute petite. Ça, c'est pour Léa. Ça sert à rien, Léa, on la met là. Et papa et maman, ils dormiront dans la piscine. Ok, on descend. Du coup, Adem, on est là combien de jours, là? On est là très exactement pendant 21 nuitées. C'est incroyable, les refs. Voilà, on va kiffer. Parce qu'on en avait marre, en fait, d'aller dans un hôtel, de partir, de revenir. Ouais, là, on a besoin de confort et de se poser pour être tranquille, même pour les vidéos et tout. C'est bien comme ça. Bon, du coup, c'est Léa qui a ramené les valises. Ok. Tu sers à quelque chose, c'est bien. Non mais il fait trop le mec, Isama, il a porté tout le long alors qu'il a rien foutu. C'est toi qui fais la nerveuse là. Attends. C'est sûr, elle va vouloir choisir une chambre d'art. Non mais non, nous on a la chambre avec la cuisine. Tu m'en bats les reins. Toi tu vas finir sur le canapé vite fait, toi tu vas. Tu vas finir dehors. Ça part en clash. Ça part en smash. Ça va être simple, première valise posée, c'est la chambre. Attends. Mais non, mais tu fais chier. Il y a pas d'autre chambre. Mais vous dormez à deux! Vous allez tout casser, 300 euros la caution, c'est moi qui paye, bordel! Pourquoi prendre ma chambre? Fais chier! Quelqu'un lui explique qu'il y a que trois chambres ou pas? Bah, et là-bas, il y en a une autre! Ah voilà, vous avez une chambre chacun, pourquoi vous chialez? Moi, je dors une pas de la tête de l'autre. Ouais, s'arrêtez! Hey, Kayla, attends, je vais t'expliquer. Écoute, faut arrêter de pleurer pour rien à chaque fois, arrêter de vous embrouiller. Merde. Dis pas de gros mots, c'est le ramadan, je t'ai dit. Dis plus de gros mots, ça y est, je parle sérieux. Là, la chambre, vous pouvez la prendre une pour deux. Voilà, il y a une chambre pour vous deux. Arrêtez de pleurer, c'est rien, on s'en bat les reins, wesh. Moi et Adem, on s'embrouille jamais. On dort tout le temps à deux depuis qu'on est petit. Y a pas de galère. Ouais, c'est vrai. Pourquoi s'embrouiller pour une chambre? Genre, tu dors. Non, mais elles veulent pas dormir ensemble. Genre, elles font la gueule. Moi, j'aime bien dormir avec toi. Bah ouais, c'est bien. En plus, on peut faire plein de trucs la nuit. On se fait des caresses et tout, quoi. Ouais, des papouilles, des. Bon, alors on arrête. Après, c'est le ramadan, quoi.
Ouais, c'est vrai. Moi, Kayla, tu vas dire pardon à Leia et elle vient dormir avec toi. Tu lui laisses cette chambre. Au pire, si tu veux, tu viens avec nous. Arrête de faire la princesse, arrête de chialer, on s'en bat les reins, wesh. Eh, hey Adem, on est d'accord. Ça fait vraiment genre, elles ont fait une embrouille de télé-réalité. Ouais, c'est genre, elles s'embrouillent comme les meufs à la télévision. Ça, tu vois, c'est à cause de ces jeunes dames à la télé que nos sœurs deviennent comme ça. Ouais, c'est Zahma. Ouais, mais en fait, c'est ma chambre. Non, mais c'est mon shampoing, ouais, en fait. À cause de vous, vous montrez le mauvais exemple, la télé-réalité. Mais non, y a pas de mauvais exemple. Nous, on n'est pas comme ça, pourtant. Non, mais à un moment donné. Ah, faut pas regarder ces conneries, les reufs. Restez tranquilles, pépère, wesh. On est en vacances. C'est Ramadan. Oh là là, la vue, franchement, sur Alania. Vas-y, beau gosse. Je vais. Attends. Ils sont partis, là. Tout le monde est parti. Ouais, bah. Le propriétaire, il est parti. Ça veut dire qu'on peut allumer Kayla? Attends. Tu sais quoi? C'est moi qui va la porter. Okay. Je vais la jeter dans la piscine. Peut-être que ça va la calmer. Bah, y a moyen que ça la calme, vu que l'eau, elle est à moins 30. Vas-y, let's go. Tu tiens la caméra? C'est parti, let's fuck. Alors, ça, ça va sortir de la chambre. Regardez la gueule. Au nom de Dieu, il fait flipper le machin. Ouais, attends. La caution. Oh, la caution. Vas-y, sors-moi ça de là. La tête d'homme, j'aime pas dormir avec des trucs flippants. Ah, tu vois, directement, ça, c'est plus accueillant, c'est plus mignon, le petit chameau. Voilà, il est incroyable. Viens voir, on n'a pas vu ça. C'est incroyable. Si on a chaud, regarde, on a quoi? Oh là là, my ventilo. My ventilateur, ordinateur. Puisque demain, ça y est, c'est l'été en Turquie, ça reprend, il y a canicule. Wesh, comme un Leda. Wesh, regardez. Arrête. Adem, ça fait pas genre miroir magique. Dis-moi qui est le plus beau. Mais voilà que c'est le même. En tout cas, c'est qui le plus beau, le miroir? Bilal. Wesh. Ah, attends, bouffons les vieux délires. Ouais, c'était gênant, j'avoue. T'as pas kiffé? Bon, la famille, je suis sur le jeune canapé. Adem, on va préparer le prank. Alors, c'est moi qui va le faire, c'est moi qui va la porter, c'est moi qui va l'ajuster dans la piscine. Là, tu vas aller tout de suite dans sa chambre, tu vas aller la chercher. Non, pas dans sa chambre, parce que j'ai pas de force. Enfin, il y a tout un trajet à faire. Ouais, j'étais un titan, frère. Je vais dans le jardin, je fais ah. Après, tu dis wesh, Kayla, vite, Bial, il s'est fait mal et tout. Ah, tu la pousses. Ah, viens, je la porte, pah, on la jette. Vas-y, c'est parti. On y va? Vas-y, let's go. Maximum de likes, les refs. En tout cas, la famille, c'est vraiment hyper beau, genre. Du coup, les refs, j'ai appelé Kayla. Kayla, viens là. Alors, tu vas leur expliquer on est où? Parce que là, il y a quoi? Là, il y a la terrasse, donc on a la piscine. Tu vois, après, il y a la belle piscine. Non. C'est trop rapide. Ça va? Non. Allez, va à la douche. Va. Respire. Regarde mon ligne, il est tout neuf. Mais merde. Bon bah les refs, je suis un petit peu gêné, mais du coup elle va aller se doucher et s'habiller. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'a... Ouais, c'est trop tentant, frère. La tête d'homme, tu vois une piscine, tu y vas, frère. Elle est froide. Oui. Vas-y, c'est bon, va te doucher, rentre. Non, tu me crois. Tu vas être malade. Tu vas être malade. J'avoue, on aurait dû prendre une serviette. Toi aussi, t'es con. Bon, les refs, je sais pas si c'est réussi. En fait, c'est... Hey, je m'en bats les reins. Elle a mal parlé, puis tout à l'heure, elle parle mal. Tout le voyage a fait la meuf à l'aéroport. Tiens ça. Ah, la vengeance, les amis. On a vengé Léa. Balle pour toi, Léa. Maintenant, il y a un partout, vous deux. La guerre n'est pas finie entre vous deux. Allez, la famille, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout simplement se rejoindre en ville. On va descendre, parce qu'on va aller chercher de la graille. On va aller manger. C'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure du futuru. Du coup, les refs, on va aller faire le futuru. On y va? Bon, la famille, moi et Adem, on voulait manger des spécialités turques, mais il y en a une qui nous casse la tête, c'est Leia. Je veux du KFC. Regardez, on est où? Bon, la famille, je vais me régaler. Du coup, moi, j'ai pris des frites KFC. Moi, j'ai pris, en gros, un seau. Enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Dedans, il y a des gros morceaux de poulet comme ça, et des petits. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est du pain. Regardez, les refs. C'est du jeune pain, frérot. Après, aussi, on a du coca, les refs. Voilà, j'ai pris du coca aussi. On va se régaler. Attends, je pose la caméra. Je vous mets où, les refs? Je vous mets là. Bon, bah, bismillah, les amis. Attends. Ah, ouais, merde, c'est pas l'heure, je suis un ouf. Il est 19h30, c'est à 39. Pour l'instant, les refs, je fais mes préparations. Hop. Merci les frites. Après, j'ai pas compris, une bouteille, deux canettes, pardon, 3, 4, 5, on va tout boire. Là, il y en a pour au moins 6 litres, frère. Bon, du coup, la famille, j'ai mis mon ketchup, ma mayonnaise. Et j'ai fait carrément la même chose, ketchup, mayo, avec du pain et mon poulet. Ok, bah, on attend les refs et bismillah. La famille, regardez, j'ai pris aussi un wrap, je vous ai pas montré. Du coup, on va le goûter, hein. Il y a du poulet à l'intérieur, tu connais. Bon, la famille, c'est l'heure, ça have tolkoum à tous. Adem, on a pas de date, du coup, on va couper avec du pain. On a pas de date ni d'eau. J'ai hyper soif d'eau, mais vas-y, on va couper avec le pain, les refs. Bismillah, bon appétit à tous, on va goûter. Ouais, c'est du pain quoi. Moi je passe aux choses sérieuses. On va goûter les jeunes frites. Bismillah. Regardez-moi ça, la famille. Oh, yo, bismillah.
Mais je vous jure, j'avais hyper faim toute la journée. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur le ramadan. Voilà, j'ai trop faim, wesh. Il y a des moments dans la journée, mon ventre, il crie. Voilà. Genre, je suis comme ça. Je veux craquer. Et du coup, j'ai pas craqué parce que je suis un crack. Pas mal celle-là. On va passer au jeûne poulet, les amis. Oh là là, bismillah les refs, cher, c'est pas halal en France. Non, en vrai, voilà, force à vous, ceux qui peuvent pas manger ça. Venez en Turquie, les refs, il y en a même au Maroc, je crois. Venez manger le KFC en Turquie, vous allez pas regretter, c'est halal. Ceux qui font le ramadan, force à vous, regardez, KFC. Eh, c'est une dinguerie. En plus, comment il arrache. Ouais, il est délicieux, voilà. Vous savez, c'est un goût de quoi? C'est un goût de poule, la tête de homme. C'est un goût de poule, de coq et de dinde. Ça a même... Oh, ça pique! Là, ils arrachent. Là, je vais attaquer le géant poulet. Ah! Voilà que c'est bon. Les refs, on va goûter l'autruche en direct. My poulet. Ah ouais, je sais pas s'ils font les poulets comme ça en France. En vrai, dites en commentaire, c'est pas ouf. C'est comme le poulet normal, en fait, que tu fais maison. Là, je suis pas fan, je préfère vraiment les autres. Mais on va continuer, hein. En espérant qu'on vous donne pas trop envie. C'est faux, j'espère que je vous donne envie. Force à vous, c'est tout. Enfin, nous, c'est le ramadan, on vous partage les vidéos. Faut assumer maintenant, si vous avez faim, c'est votre problème. Moi, je suis prête à la haine comme ça. Bon, j'avoue, là, les refs, on s'est vraiment fait un petit kiff. C'est vrai que c'est exceptionnel quand même. Vous inquiétez pas, demain, on va manger les spécialités turques. Là, c'était vraiment le premier fast-food qu'on a mangé. Ça me fait un peu mal au cœur, mais je me dis que ça va, c'est du poulet. Je sais pas si vous avez capté, c'est pas genre un McDo. Ouais. Mais j'avoue que j'ai forcé. Ça revient à la même puisque j'ai pris un tacos, un wrap. Au lieu de faire comme moi, juste prendre du poulet, à la fin, quoi qu'il arrive, il fait ça. Bon, on va goûter le wrap, les refs, bismillah. Il a l'air incroyable. Regardez, wesh, la dégaine qu'il a. On y va, let's go. Ah ouais, il y a du cheddar et tout dedans. Adem, il est méchant. Ah ouais, je peux goûter. Attends, je retape un croc. C'est quoi dedans? C'est du poulet, wesh. Je crois que c'est de la viande dans notre KFC. J'aime pas les trucs comme ça. Tu vois, il me regarde en mode, il sait pas ce qu'il veut, frère. Voilà que ça sert à rien. Tu prends le Thunders comme ça, tu mets de la salade dessus et tu croques. C'est claqué. La tête d'homme, il est trop mauvais, il a incroyable le wrap. Ah, j'ai hyper soif, les refs. My coca. Oh, ça fait du bien. Ça faisait longtemps le KFC, voilà. J'en avais mangé du coup, il y a 9 mois en Turquie. On est venu exactement ici il y a 9 mois. Je reviens plus gros que jamais. Eh, comment on appelle ça, les refs? Les vrais s'en souviennent. Comment on appelle ça? Patatas, vas-y dis-le. Fritas. Et il y en a encore un autre à la fin. C'est patatas fritas gringos. Voilà. Par contre, je suis pas fan. Les frites, j'avoue, elles sont pas ouf. Je préfère vraiment le poulet. De toute façon, ils sont forts en poulet, KFC. Vas-y les refs, on va continuer de manger et dévaliser le KFC. Puis on se retrouve pour la suite. Bon la famille, on est dans un jeune bistrot. Du coup on a la carte, moi je vais prendre un milkshake. Parce que c'est bien de se poser et de boire des milkshakes. Et toi tu prends quoi? Bah je vais regarder un petit peu mais je pense que je vais partir sur la même chose. Alors menu dessert et drink. Regardez comment c'est rempli. Il y a des desserts, baklava, kadaïf. Il y a des glaces, il y a du café, mevlana, soda, ayran, cocktail. Moi les refs, j'ai vraiment envie d'un milkshake. Bouzlou, latte, milkshake, mouzlou. C'est quoi mouzlou? C'est banane. Ok, ça porte sur un milkshake à la banane. Et bah exactement pareil avec un chai. Non, prends autre chose. Faut qu'il voie autre chose. Pourquoi tu copies? Bah parce que j'aime les bananes. Vas-y, prends autre chose. Comme ça on se fait goûter. Non, dès que c'est à moi en fait. Mais tu vois, c'est trop un crevard en fait. Bon, vas-y, à tout de suite les refs, on arrive quand il a terminé là, il est hyper lent. Bon la famille, on a tout reçu, regardez. C'est magnifique. Bon déjà toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris un jeune thé avec ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Il m'a dit t'inquiète, je vais te faire un truc bien bro. De toute façon, tu vas goûter, tu vas le juger. Hein. Ouais, mais regardez, il y a de la pistache, il y a du chocolate. Il y a tout ce qu'il faut pour être gros. Du coup, moi, les refs, regardez, j'ai pris mon milkshake à la banane. On va goûter ça, il est beau gosse, hein? Tu le trouves beau gosse? Non, il est moche, je préfère les miens. T'as pris quoi, toi, hein? Sorbec. C'est bon, tu t'en es remis du prank? C'est même pas un prank, en vrai, t'as juste fait du sale. Ouais, mais genre, quand je suis mouillé, je vais avoir le flakm. Il y en a, ils savent pas ce que c'est le flakm. C'est une angine. Voilà, c'est une angine. Bon, les refs, qu'est-ce qu'on fait demain? Moi, j'aimerais faire un jeune barbecue, soit un jeune ftour. Et c'est toi, moi, Léa, Kayla, on le prépare. Ah, demain, tu vas être en cuisine? Ouais, c'est spécial cuisine. Ok, de toute façon, je réfléchis soir à ce qu'on fait demain, les refs, je sais pas encore. Donc, vous verrez bien dans le vlog de demain ce qu'on prépare. Bon, allez, ferme ta gueule. Bismillah. En tout cas, mais pourquoi tu gazes? Et ça y est, on a compris, demain est un autre jour. C'est vrai, demain est un autre jour. Mon thé, il est super léger, mais c'est pas grave, on touille. Waouh, mon thé, franchement, il me fait du bien à la gorge. Je peux goûter ton truc, là? Non, c'est... Il y en a deux. C'est à moi. Il y en a deux. Non. Mais c'est trop un crevard. Regardez, wesh. Son milkshake, il y a deux pailles, tu crois qu'il va me laisser? Tiens. Non, j'en veux pas. Ouais, tu vois. Vas-y, s'il te plaît, wesh. Il y en a deux. Je goûte d'abord. Vas-y, tu goûtes. Vas-y, goûte. Oh, yo, regardez comment ça se présente, c'est magnifique à cause. Oh là là, ça a l'air incroyable, c'est trop stylé. Holy shit. Ah, ça faisait longtemps le sucré, on n'avait pas filmé de dégustation sucrée. C'est vrai, mais il y a moyen, je le mange pas parce que moi, je suis un mec qui fait du sport. Bismillah.
Sérieusement, tu le trouves comment? Wesh, ça a l'air incroyable. Vas-y, vas-y, laisse-moi goûter, laisse-moi goûter. Arrête, Adam, s'il te plaît, wesh. Non? S'il te plaît. Ouah, wow, c'est une dinguerie. Vas-y, je goûte. Ah, il y a chocolat, pistache, crème. C'est une dinguerie, vas-y, tiens. On va goûter ça. Je prends une bonne cuillère. Ça y est. T'as vu, c'est bon. Oh, il y a une jeune chatte qui vient de passer en dessous. Adam, ça, tu vas me laisser tout manger ou pas? Non. Bilal, s'il te plaît. C'est pas, mais Bilal, wesh. La tête d'homme, fais pas ça. Inch'Allah, tu vas en enfer, frère. Oh. Ouais, ça se partage pas, mon gars. Tiens, à chacun, ouais. Oh, le gros chat, tu vois. J'espère que tu vas devenir comme lui là-bas, à force ouais, de manger méchant. Mes trucs. On est d'accord, il est méchant avec moi. Bats les couilles, j'ai faim. Bah tiens, il y a un chacun en fait, c'est le partage, c'est le ramadan. Frère. Non, il y a pas de partage. T'es un creveur. Ouais, c'est un ouf. Eh, écoutez, moi je l'écoute pas, frère. Eh, y a pas de partage, et bah je mange. Comment en vrai, là je fais genre pour la vidéo, mais j'ai trop le seum. Ah ouais? Voilà, j'ai trop le trop la haine, il est trop bon sa mère, il mange. Heureusement, je pétais thune, je pouvais en racheter plein. Non, heureusement que c'est 2 euros, je peux en acheter plein. Incroyable. Bon, les refs, on va continuer ce moment en famille, on est posé et on se pète tout à l'heure. On doit faire des courses parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien à la ville là. Ça veut dire on va prendre des petites provisions. Let's go. Vite, j'ai failli mourir. La famille, pendant ce jeune appel à la prière que vous entendez peut-être pas, nous allons ici, à Migros, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire, Bilal Dealer? Bah les refs, on est au Migros pour faire les courses pour les Migros comme nous. Ouais, voilà, c'est ça, c'est carrément ça. En gros, on va acheter la bouffe à 4h du matin pour le Sahur, parce qu'on n'a rien à manger à la villa. Non, pas que à 4h du matin, on va faire des provisions en général. C'est parti. Là, on est dans un rayon des gâteaux. Ça, c'est très important le matin. En fait, je sais pas, puisqu'on dit ça, mais quand on arrive à l'heure de manger, on n'a pas faim. Déjà, je suis plus salé. C'est bizarre à dire. En fait, ça dépend des jours, mais vas-y, je sais pas. Faut prendre un peu de tout, je pense. Qu'est-ce qui pourrait nous combler le ventre? Je vais partir sur un paquet d'Oreo comme ça, c'est mes préférés. Tu vois, on est en Turquie, tu prends des trucs qui est en France. Tu vois, ça, déjà, j'aime pas. Bah, tu sais quoi? Regarde, on va goûter ça. On va prendre ça. Ah, tu vois, c'est comme des Oreo, en fait, mais version turque. Ça, on peut goûter. Si c'est dégueulasse, poubelle. Non, on le rachète plus. Non. On va le finir. C'est ça les refs, les Oreo façon tucre. Façon tucre, ok. Ouais. Façon turque, les négros. Les néros. Merde. Non, non, c'est la tête d'âme, je croyais que c'était écrit ça, vraiment. Vas-y, prends un peu de tout, fais-toi plaisir. T'inquiète. Mais je veux vraiment mes Oreos en fait. Ah, il fait Zahma devant les gens. Oh, on va goûter ceux-là, les néros. Je les ai pris aussi. Ah ouais. Ah, des chips. Non, 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 mais ça c'est pas du petit-déj, ça. Ça, c'est de la gourmandise. Les refs, je prends d'une burn. C'est pas ce que vous croyez, hein. C'est pas mes burns. C'est une boisson énergique. Qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure? C'est une boisson énergisante, en fait, c'est une burn. Et je prendrai aussi, regardez, les refs, du café. C'est quoi que t'as pris, toi? Starbucks. Elle aime trop les Starbucks, elle. Adam, tu prends un café comme ça, un expresso? Non, la tête d'homme que non. C'est pourquoi? Pourquoi? Ça va me refaire de la diarrhée. Ok, bon, moi j'en prends les refs. Ah non, à la vanille ou original? Ah non, caramel, c'est incroyable. Au caramoule. Expresso caramoule. Quoi d'autre? On continue. Je pense qu'il va falloir un sac. Tu sais, au lieu que ce soit lui qui porte le truc, non, il me pose dedans, tu sais. Non mais... Ah, c'est vrai, ça c'est pas un gentleman. Femme. Les refs, c'est à cause d'Adem que je suis devenu comme ça. À chaque truc que je fais, je dis femme. Genre, elles ont rien fait en plus, les femmes. C'est à cause d'Adem dans les commentaires, c'est lui le macho. T'as rien fait, non? Moi, je suis gentil avec les femmes. Ouais, mais bref, demain, femme, cuisine, faut oublier. Pourquoi tu me fais des zooms comme ça, dernière fois? Ta gueule. Arrête, j'aime... Vas-y, viens, continue. Est-ce qu'on va prendre des jeunes jus d'orange, jus de pomme? Bah, j'ai déjà pris une boisson énergisante, mais vas-y, viens. Ah, ici. Là, il y a plein de jus d'orange, les refs. Je sais pas, t'aimes quoi, toi, comme jus? Il y a du poiret de goût orange. Ouais, j'ai jamais goûté. Mais je crois qu'il existe. T'en veux? J'en prends. Vas-y. Il y a du jus d'orange, la capi. Capia, capi. On va prendre des petites bouteilles comme ça de capi, c'est pas mal le matin. J'en prends deux capi. Je vais prendre du sojuk. Comme ça, là. Ah oh, non, il est claqué celui-là. Il n'y a pas de. Ah, attends, je vais prendre ça. Eh, comme ce qu'ils nous faisaient à l'hôtel là avec leurs tranches. Attends, on les a taillés et on va finir par les prendre aussi. Il y a du cachir. Regardez les refs, du jeune cachir. On va le prendre le cachir. On continue. Eh les refs, j'ai trouvé des glaces. Adam, t'es chaud, on prend genre des magnums. Comme ça là. Dégustation de magnum à 4h du matin. Moi je suis chaud. Vas-y, je prends ça les refs, ça va être un délice. Oi, oi, oi. Eh les amis, il se permet de prendre des jeunes Kinder. Non mais c'est pas par rapport à ça, c'est que des fois j'ai envie de chocolat. Et c'est bon, à un moment donné, je vois les trucs d'enfants, c'est pas parce que c'est Kinder que c'est pour les enfants. C'est vrai que des fois le chocolat, c'est comme les envies des femmes enceintes, et c'est à peu près ça, genre. Ouais, tu vois là, Kinder, Kinder. Bon, la famille, mon père a clairement recalé Bilal, il lui a dit prends pas ça. Et il l'a reposé, bon chien. Bon les refs, c'est bon, tout est là. Maintenant on va se rejoindre à la villa. Bisous bisous.
Bon, la famille, on est rentré à la jeune villa aberrante. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Bah, déjà, vous avez vu un petit peu les courses qu'on a fait. Je vous ai montré un peu là-bas. Il reste des trucs dans l'armoire, les refs. Mais j'ai pas compris parce que, à peine on est rentré, Kayla l'a déjà déchiré le cachet. Regardez là-bas, là. Toujours dans la cuisine, ça y est, sors, ça a tout rien que t'as mangé, alhamdulillah, casse-toi. Sinon, je te rejette dans la piscine. Je te le dis, hein, je te rejette dans la piscine. Et du coup, les refs, je suis passé devant un marché, regardez ce que j'ai pris. Il a pris un pull couleur nude, il est magnifique. C'est validé ou pas? Il est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai acheté d'autres trucs, on va vous montrer avec Adem ce qu'on a acheté. Ouais, j'avoue. Vas-y. C'est dans la chambre. Bref, après Adem, on va leur montrer ça. Ça, c'est des tulumba, les refs. Ça, c'est excellent, c'est sucré, c'est aberrant. Ça s'appelle tulumba, c'est un truc. En fait, c'est comme des churros, version bien sucrée avec du sirop trempé. Bref, c'est un truc turc. Après, ici, les refs, regardez, on a des fameux. Comment ça s'appelle? Baklava. Il y a baklava, c'est plein de sortes de baklava en fait, sous plusieurs formes. L'histoire du baklava, en fait, c'est un jeune mec qui s'appelait Lava. Il a eu le bac et du coup, ils ont appelé ça baklava. Du coup, Après les refs, on a pris des bananes, tu connais. Là, elles sont petites, on aime bien les petites bananes. Des fois, ça cale pas trop, c'est bien. On a pris du beurre. Après, Adem, tu connais pour le 3h du matin. Je vous ai déjà montré ça, les refs. Salami, des œufs, ça, tu fais œuf avec salami plus souple le matin à 4h, c'est méchant. Avec du jeune pain. Voilà, du jeune pain de campagne avec des jeunes magnums. On a pris des glaces. Regardez aussi, là, les refs, il y a le gâteau que je vous ai montré tout à l'heure. Bref, ça, vous avez vu. Le gâteau, il s'appelle Allez, là. Attends, tu veux faire des jeux de mots? Sinon, il s'appelle Aleykoum Salam. Ok, c'était sympa. Vas-y, fais des jeux de mots. Ok, alors là, Adem, organique, ok, Dogalim, ok, j'arrive pas, j'ai pas d'inspi en fait. Donc les refs, là, on va faire la crémalière à Nanterre. Ouais, pas mal, pas mal. Churabasu. Vas-y, frère. Vas-y, c'est claqué. Attends, la tête d'âme, je retrouve. Les refs, à 4h, on va manger du pinard. C'est quoi le pinard? Bah, en fait, c'est des épinards, mais sous forme de beurre. Voilà. Bon, vas-y, Adem, ça fait. Arrête, ça fait. Non mais ça c'est que les Marocains, les rebeux, ils vont comprendre. Vas-y, viens, on va montrer les vêtements. Regardez comment le frigo il est rempli, c'est une dinguerie. Voilà, là refs. On peut voir du Pepsi, de l'Oasis, il y a tout ce qu'il faut genre. Là il y a une pomme d'amour. Là les refs, il y a le jeune, il y a les céréales. J'ai rangé les céréales ici. Regardez, il y a les céréales. Il y a tout ce qu'il faut pour bien manger à 4h. Voilà. Après les refs, j'ai oublié de vous montrer. On leur a pas montré Adem. On a pris une bûche glacée, regardez. Ça c'est incroyable aussi pour le matin. Regardez une jeune bûche glacée, c'est goût quoi? C'est caramel beurre salé, y'a marqué? Ouais, après là les refs, y'a la bûche 3 chocos, donc voilà. C'est carré. Franchement, c'est sympa. Et ouais, dans nos rêves. Ouais. En vrai, y'a rien du tout, mais on mange toujours dehors, donc ça sert à quoi? À rien. Voilà, j'ai pris une jeune glace et j'étais obligé les amis. Moi aussi. C'est au caramel. Regardez, on a un frigo. Dans notre jeune cuisine, dans notre chambre, on est arrivé, il y avait déjà du Pepsi, une Fanta, c'est quoi ça? C'est du Capi. Bref, il y a des petites boissons ici, au cas où. Hey, attends, il y a des trucs ici? Non, j'ai déjà regardé, il n'y a rien. C'est quoi ça? Ok, c'est des bols, tout ça. Ici, ok. Wesh! Une machine, je crois. Voilà, il y a une machine à tacos. Non, c'est pas demi. C'est une machine à toast. Ouais, regarde. Ah, c'est trop stylé, ça. Tu peux te faire des Hummers. On peut se faire des Hummer Simpson. Wesh, tu leur as montré? Non, je leur ai pas montré encore, mais je me suis pris des Balenciaga, mon pote. Regardez les refs. 900 euros, sa mère. 900 euros, il a pris des Balance ton quoi. C'est pas des Balenciaga, c'est des Balance ton quoi. Et Bilal aussi, il a une sacrée paire. Venez, je vous montre les refs. Mais avouez qu'elles sont super bien faites, quand même. La tête d'homme, il n'y a aucun défaut. Là, il y aura des ultras. Ouais, moi, je connais les vrais, c'est pas ça. Ta grand-mère. Du coup, les refs, je me suis pris une sacrée paire. Franchement, elles sont perlimpinpin. J'ai pris des Nike, comment ça s'appelle déjà? C'est des jeunes Air Force, frérot. C'est la première fois que je tente des Air Force. Pourtant, tout le monde me disait, ouais, c'est des chaussures simples, achète-les. Première fois, les refs Air Force. Dans le commentaire, ce que vous en pensez. J'ai pris aussi un pull, un t-shirt Nike. Il est dard ou pas? Il est méchant, c'est oversize, genre. Simple, efficace. Après, j'ai pris un pull gris comme ça chez Waikiki. Donc, tu vois, Waikiki, il y a le mot Kiki dedans, tu connais, c'est Kiki. C'est mignon, quoi. Franchement, c'est carré dans l'axe. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud là. Il est fort en jeu de mots. Je m'arrête plus, les refs. Après, vous inquiétez pas, que y a une dame à m'a accosté. Lacoste. Il était nul. Claqué. Ok, claqué. Après, j'ai acheté quoi d'autre? Bah, c'est tout. C'est déjà bien, je pense. Franchement, le prix, les refs, ça m'a fait mal au burn. Regardez-moi cette jeune. Que le focus. Voilà, regardez comment elle est belle. Après les refs, dans la salle de bain, on a acheté des gilettes pour se raser. Parce que ça y est, on commençait à devenir des ours bruns. Adem, il m'a acheté une brosse à dents parce qu'il n'y en avait plus, du Signal, du PQ, très important. Ouais, collection, mon gars. Étant donné qu'on chie
4 fois par jour, la tête de homme. Non, tu chies 4 fois par jour. Le KFC tout à l'heure qu'on a mangé. Ouais, c'est vrai. Il m'a déchiqueté l'intestin grêle. Ça fait 4 fois que je chie. Bah, j'ai toujours pas digéré, moi. Tête de homme, mais d'ailleurs, flemme de toucher. Après, là-bas, il y a des jeunes shampoings pour rien parce qu'on se bouge pas. Bref, les refs, on a passé une sympa journée ensemble. Une sympa journée. Ça se dit pas. Bref, tu veux la refaire ou non, t'assumes? Ouais, j'assume. Ok. En tout cas, les refs, merci d'avoir suivi ce vlog. Franchement, c'était rapide, efficace. On a juste filmé entre guillemets la journée. Elle est passée trop vite. On pouvait pas faire beaucoup de choses, on a pris l'avion et tout, on était KO. J'étais éteint. Là ça va mieux, après avoir mangé tout ça, je suis dans le truc. Une fois que c'est trop tard. En tout cas les refs, demain, si tout va bien, il y a une nouvelle vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, vous les attendez. Ouais, ça fait 2 jours, les refs. En fait, dites-vous s'il y a un trou, c'est qu'il y a un problème de connexion. C'est la connexion en Turquie. Quand il n'y a pas de vidéo, c'est pas Adem et Bilal qui ont la flemme, c'est la connexion. Parce que nous deux, on a posé nos cojones sur la table, on a dit on fait une vidéo par jour et on les a faites. C'est la co qui a pas suivi après. Au bout d'un moment, tu vas me salir. J'ai failli mettre du choco. T'es déjà sale, mon gars, ici. Non. Je sais pas si t'avais vu. Non, c'est des poils. C'est quoi ça? J'ai eu peur. Bref, je disais, au bout d'un moment, tu vois, on a terminé notre journée. Il est minuit, 1h, 2h, 3h. C'est bon, on doit dormir. On peut pas envoyer les vidéos, la connexion a bug, salem la famille. Demain on trouve une solution. Ouais. Voilà, j'espère vous comprendrez les refs. En tout cas, merci de nous suivre. En espérant que ça vous fait kiffer ces petits vlogs. Il y a des grosses vidéos qui arrivent Ramadan, continue les refs. Partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très vite. Ok. On va se retrouver. Ouais, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. On va se retrouver dès demain, j'espère, pour une prochaine vidéo. Vas-y, ciao, c'est bon. Cassez-vous. Ah, c'est lourd.